Flambeau, je l'ai toujours espéré comme gamme. Bon, à faire voir, tu verras le matin comme ça, on va décortiquer un peu les joueurs, en même temps les notes, les scènes, d'après des infos, d'après quelques sites aussi. En fait, on a vu hier un bon match en première mi-temps. On a dominé et tout ça, on était solide et tout. Franchement, on était très très bien en place et tout ça. Mais le problème, c'est que Bessebaïni, il a pris un carton jaune pour rien, parce qu'un carton jaune. Avec le deuxième match contre Burkina Faso, il prend un deuxième jaune, il ne joue pas le troisième match. Suspendu troisième match. Il ne prendra pas un rouge, mais suspendu pour le troisième match. Normalement, la loi, c'est comme ça. Toujours les nerfs, toujours des fautes comme ça. Allah, aïe, Allah. Bon, Anthony Mandria, lui ont donné 6. Hein? Ça va, il n'a pas grand-chose. Angola, franchement, c'est. Franchement, tous mes respects pour l'Angola, mais c'est une équipe à notre portée. C'est une équipe normalement, le Zaïre, facile, facile, 3-0. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Je ne sais pas pourquoi, et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentés dans l'équipe. C'est un mélange d'expérimentés, et qu'est-ce qu'il nous vaut là-bas dans l'équipe? C'est Mandria, Chaibi, Aït-Nouri. Hein? Je crois que c'est les trois là qui sont vraiment nouveaux. Le reste, ils ont de l'expérience, ils ont tout. Pourquoi ils font des fautes comme ça d'amateurs? Je comprends pas, voilà. Bon, Mandria, rien à dire et tout ça, par le pénalty contre le pied, c'est normal, le pénalty est normal. Ouais. C'est pas relevé Zama pour gêner l'attaquant quand il est venu, il l'a remis, il l'a tiré, tout ça, il l'a marqué. Mais ça, c'est. Non, c'est. Ah, Mandria, pour l'instant, franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire pour lui. Voilà. Attal, c'est pas Attal qu'on connaît, c'est un petit Attal hier. Un petit Attal, il n'a rien fait en attaque, il n'a pas donné. Non, c'était pas Attal. Il manque, ça se voit qu'il manque de compétition, ça se voit qu'il manque de rythme, il manque de beaucoup de choses, d'agressivité, d'audace et tout ça. Attal, on connaît, il est mieux que ça. 4 donné, la note 4. Aïssa Mendy, quelqu'un. Aïssa Mendy, c'est-à-dire qu'il était là. Il était là sans être là, quoi. Il était là, il a fait son rôle comme ça. Ah. اعطيها لينا منا ودون شلارون بالون هكذا نورمال ان جوار نورمال كو الى جوي الى جوي دي فوتبول نورمال 5 امي بالسبعيني الى فيها يفوت كارتون جون بور يا باغ كونت بالسبعيني كونتر بوركينا فاسو سي تري امبورتون بونك بوركينا فاسو باسكو كي فون جوي سور سا بوركينا فاسو ماتنو يفون اناليزي تو اي ساب كو زافي دي كارتون على بالهم بلي كاين لي كارتون اي تو سا Attal carton, Bisbaïdi carton, Ben Talb carton, Ben Nasser carton. Ils vont jouer sur ça pour vous énerver, pour avoir un deuxième carton et vous n'allez pas jouer contre la Mauritanie. Faites attention. Je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est un rouge. Je pense pas que c'est un rouge. Je pense pas que ça compte deux matchs comme ça. Voilà. Alors, Bisbaïdi, fais attention. Rien n'est nourri, il a fait un très très bon match. Rien n'est nourri en attaque, il a permuté, il a joué quand, il a joué avec. Côté gauche, de toute façon, il a beaucoup travaillé hier. Ah, être nourri avec Bleyli et avec Benassar et tout. Franchement, ça combine bien. Hein? Ça a bien marché et tout ça. Et voilà, être nourri, 6 et demi, pratiquement le deuxième homme du match. Franchement, 6 et demi pour être nourri. Nabil Bentaleb, 3. Nabil Bentaleb, hier, il a fait, il a raté tout. Tout, tout. Et il était énervé, il rate des balles, mais où est-ce que je sais pas, il a rien tenté. Bon Talab, je sais pas, qu'est-ce que j'ai, on dirait quelque chose de moralement, il n'est pas bien, on dirait, je sais pas. Porto, à Lille, il joue très très bien, mais hier, je sais pas si c'est la fatigue, je sais pas, l'humidité, peut-être, il n'a pas l'habitude de jouer en Afrique, ou Bon Talab, peut-être c'est un joueur de club, c'est pas un joueur d'équipe nationale, ça aussi, il faut le voir. Voilà, Bon Talab, franchement, hors jeu. Aramis Zerouki, ça va. Son entrée, elle était fraîche et tout ça. Ça se voit qu'il est bien. Zerouki, il a montré quelques. Adjamina Hachouia. Benassar, 3,5, c'est la première fois 3,5 Benassar. Benassar, c'est un petit Benassar aussi. Comme Attal, un petit Attal, un petit Benassar. Benassar, il a connu immensément meilleure équipe nationale globalement, assez empruntée à la création, néanmoins. Contribuer au réveil de l'occupation de passe. Hassan Mahouar, il a été remplacé parce que Hassan Mahouar, transparent pareil, il n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi, Hawar avec Ben Nasser, non, ce n'est pas le même profil pour moi, je ne sais pas. Non. Et Ben Nasser hier aussi, il a raté beaucoup, il a raté quelques passes quand même et tout ça. Franchement, ce n'était pas Ben Nasser quoi. Fer Cheibi, 4,5,
Parce que moi, je ne donne pas 4 et demi, je donne plus. Parce que c'est l'homme du match déjà par la CAF. Et moi, faire chez B, je lui donnerai 7, 6 et demi, 7. Comme à Itnouri, quoi. Il a bien joué, il a remplacé même dans le couloir de Mahrez parce que Mahrez il est en panne. Alors c'est Chaibi qui l'a couvert. Chaibi il tentait beaucoup de choses au milieu, l'île sur l'aile, les côtés, tout ça. Faire Chaibi, je donne plus moi. Riyad Mahrez 3,5, normalement c'est 3, c'est 3,5. Il a rien fait, Mahrez. On arrive à Mahrez, la star de l'équipe, où même les Ivoiriens. Mahrez, quand il est parti au Togo, pareil, Mahrez, tout le monde, c'est une star. Normalement, lui, il fait la différence tout seul. Normalement, quand on est en Angola, Mahrez, il marque un but, minimum un but. C'est catastrophique, une passe décisive. C'est comme ça, Mahrez, normalement. Mais Mahrez, le problème, c'est que Mahrez, même il n'est pas bien, même comme ça, il ne le sort pas. Blamadé. Pourquoi Blamadé, tu ne le sors pas enfin, pourquoi tu ne le remplaces pas? Et pourquoi tu attends jusqu'à 75, 70, 80? Direct, deuxième mi-temps, direct. Deuxième temps, tu le remplaces 5 minutes parce que Mahrez est toujours le même meilleur. Un autre. C'est lab ou Nas à droite. Mais tout le monde le dit. Ou Nas à droite. À la place de Mahrez. Et tu laisses Belaïli parce que Belaïli était bien. Khalih bien. Khalih Belaïli. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a un peu remué l'attaque. Des fois, il rate et tout ça. Mais il a tenté beaucoup. Il a donné une passe. Ah, franchement, Belaïli était bien. Pourquoi Ounes tu le mets à gauche? Voilà, ouais, je comprends pas. Mais voilà. Doublure de Mahrez, c'est qui alors? C'est qui doublure de Mahrez? Je comprends pas. Hein? Il faut éviter. Bah, Mahrez, on l'aime tous. Voilà. Il n'est pas contre Mahrez ou là, quelque chose comme ça. Mahrez, maintenant, il va entendre comme quoi tout le monde le critique. Tout le monde que Belmadi fait un peu de préférence. Ou Mina, Sahabi, ou Mina, ou Mina, ou Mina. Mahrez, peut-être il va se réveiller contre Burkina Faso, on va voir s'il ne se réveille pas contre Burkina Faso, ça veut dire la ghalib, il ne peut rien faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Youssef Belaïli, c'est probablement le meilleur Algérien en première période. Youssef Belaïli, en première période, il a fait tout, il a remué les trucs, il a tenté, il a fait, il était, comment dire, il était volontaire, il était courageux, il voulait vraiment faire quelque chose. Ah, Belaïli, franchement, maman est bien, voilà. Et elle a été remplacée par Doumbouya. Doumbouya, il a tenté à gauche, pas son poste, mais il a tenté quand même, on le voyait quand même. On voyait que ça bougeait aussi avec Doumbouya. Moi, j'ai aimé la rentrée de Doumbouya, voilà. Voilà, Badet Bounedjah. Franchement, Badet Bounedjah, il est là, il est là. C'est-à-dire, Badet Bounedjah, il est jeune, il marque. Et, Bounedjah, il est bien, franchement, il est bien. Il a marqué un but, franchement, un retourné. Ah, Lucan, c'est le meilleur but de la compétition. Direct, garanti. Mais refusé par juste un petit peu, limite d'enjeu, franchement, a été refusé le but. Alors, on est resté comme ça à zéro, premier temps, après deuxième mi-temps, tac, tac, tac. Bentalbi, il a commis une faute d'amateur. On tacle pas comme ça. Parce que le joueur, en fait, Bentalbi, il voulait dégager. Mais Bentalbi, c'est comme s'il n'était pas dans le match. Parce que quand tu tires comme ça le ballon, le joueur il est venu exprès gêner Bentaleb pour qu'il Bentaleb au lieu de frapper la balle, il frappe sur. Il a fait exprès le joueur. Il était plus malin le joueur angolais. Alors il a commis une faute, pénalité, marqué. Voilà. Et en principe par Slimani. Slimani il n'a pas eu beaucoup de ballons et tout ça. Il a essayé comme ça, mais voilà. Voilà, voilà, qu'est-ce que dire, hein? Bon, maintenant c'est pas la fin du monde. Maintenant il faut se ressaisir. On est plus fort que Burkina Faso sur le papier. Et même au niveau de l'effectif, au niveau de tout, on est plus fort que le Burkina Faso. On peut gagner le Burkina Faso et se rattraper, on aura 4 points. Ce n'est pas la fin du monde, Yarhawa. Hein? Pas grave, un point. Mais on gagne contre le Burkina, on gagne contre la Mauritanie, on sera premier du groupe. On ne fait pas match nul contre le Burkina Faso, victoire. Avec une maîtrise bien, victoire. Et Abdelmadi, si tu vois un joueur même... Même Mahrez, Belaïli, n'importe qui. Même Ben Nasser. Si tu le vois, même Ben Sebaïni, je ne sais pas, même le gardien. Hein? C'est là, il y a des remplaçants. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, ou il n'est pas en forme, ou il n'est pas dans le match, ou là, psychologiquement, il n'est pas bien, Kharjo, direct. Kharjo, remplace-le. Il ne faut pas avoir peur. Là, c'est l'équipe nationale qui joue, ce n'est pas un club. Voilà, c'est tout. Parce que non, il y a Belmadi quand même. Ah, fais quelque chose, c'est pas normal, tu perds contre l'Angola, Allah.
Non, c'est pas normal du tout. On perd. Oh là là. Bon, c'est comme une défaite. Hein. C'est pas normal, on fait machine contre l'Angola. Adama. Salam. On attend les trompes encore au Burkina Faso. Ciao.